Panneaux sont un extrait de ce qui avait été exposé ici. Tu vois sur la photo, c'est un peu petit, donc il faut bien approcher. Elle avait créé cette œuvre à la Salon Galerie à Londres. Et donc c'était une salle courte comme ça, avec toutes les peintures autour. Donc on la voit ici elle-même assise dans son œuvre d'art. On voit qu'on peut rentrer dans l'œuvre et elle s'intéresse à l'éventuelle rencontre qu'il pourrait y avoir entre nous, êtres humains, et des éventuels aliens ou extraterrestres qui viendraient sur Terre. Voilà. Donc, cet univers utopique de science-fiction, mais pour elle, contrairement à ce qu'on voit dans certains films de science-fiction, où ça peut être des rencontres un peu violentes, ou pas forcément positives avec ces êtres extraterrestres, elle, elle verrait ça comme quelque chose d'assez intéressant, et puis des, voilà, des rencontres assez positives. Pourrait avoir avec ses aliens. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Alors on va maintenant se diriger vers le salon et puis on va faire un petit tour. In realtà, secondo me c'è la fase d'arte,
Viendo dónde estaba el iPad para... Ahí está. Thank you.
projet pour lui. Portez-vous bien, à bientôt. Merci, au revoir. Ouais, les voix, les blancs là. Ils sont trop mignons, les dessins. Des petits paquets, vous voyez, par rapport à
Thank you.
Et qui a une autre période, j'entendais parce que dire que donc après les années 60, il avait fait quelque chose d'un peu plus simple. Thank you.
Thank you.
Elle faisait ça juste. Moi je ne l'ai pas vu, c'est ça qui m'énerve.
Manger un petit coup.
pas assez sarcastique. Cynique aussi. Il manque beaucoup d'élèves. Moi, ça m'a... Tu vois, ça m'a... Ouais, mais le tableau, c'est un tableau dans une pièce. Oui, c'est un tableau. Juste
J'ai voulu acheter une œuvre pour m'envoyer une haute fidélité, mais c'était tellement joli. Et après, j'ai été fait des carnets et j'ai mis dans le podcast. Et bon, c'est pas mal. Vous ne voyez pas la merde. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay.